Bonjour tout le monde, je suis Madame Dumont, présidente de l'association Marais Accueil. Aujourd'hui, journée du patrimoine, nous avons ouvert une ancienne église sacralisée depuis 2001 et on présente tous les outils des anciens maraîchers pour la terre, étant donné que Salles-le-Noble était une terre maraîchère. On cultivait les choux, salades, choux-fleurs aussi. Après, bon bah, vous voyez ici, ça c'est un appareil qui passait entre les voyettes pour enlever les mauvaises herbes des allées. Sur notre droite, nous avons des photos de la grotte d'avant, la grotte d'après. Là, vous avez une vieille maison qui existe encore dans le marais de Salles-le-Noble, juste derrière l'église. Ici, nous avons les objets religieux de la grotte du Marais. Alors, nous avons Bernadette Soubirous, nous avons la Vierge couronnée qui a été bien arrangée pendant le Covid. Nous avons dû revenir de la grotte la Vierge Marie qui date des années 1989. Offerte par les enfants de la paroisse Saint-Martin et de tous les adhérents du Marais et aussi des paroissiens adultes. Donc, tous des articles religieux. Nous avons le drapeau aussi des anciens agriculteurs Marais Accueil. Là, c'est des petits plantoirs pour le printemps, l'été, les différents plantoirs. Et ça, c'est un plantoir uniquement pour l'hiver. Ça, c'est pour le céleri, pour qu'il soit très profond, comme ça le céleri est gelé pas à l'hiver. Et au printemps, on avait des gros céleris. Là, c'était pour les calèches. Quand ils partaient au matin, 4-5 heures du matin, il faisait noir, ils mettaient ça sur les calèches pour aller à Douai vendre leurs produits. On l'accrochait et c'était au pétrole. Il y avait l'éclairage ici et sur le côté. Ça, c'est pour les jeunes bœufs. Ils tétaient trop leur mère, alors le fermier le prenait, le petit veau, et le mettait à l'étable. Donc on prenait ça pour pas abîmer la tête du veau, et on le mettait à l'étable. Et à la fin de journée, la mère, elle retournait voir son petit veau. Nous avons tous les outils des maraîchers. Vous avez des butoirs, les grands butoirs à betteraves. Pour retirer les betteraves, la faux que tout le monde doit connaître pour les grandes herbes, avec le fouet qui retient la grande herbe. Nous avons les scies des bûcherons, parce que les cultivateurs maraîchers avaient quand même besoin de scies pour scier les arbres. Et après, nous avons la fourche, les ciseaux, vous voyez. Nous avons le marteau et tous les outils de jardin. Nous avons aussi la louche. C'était pour vider les grandes égouts qui bordaient les champs. Voilà. Je suis très contente d'avoir eu aujourd'hui beaucoup de monde. Et on espère conserver très longtemps l'association des anciens outils des maraîchers. Merci. Bonjour, je suis Bruno, le responsable des géants. J'ai exposé mes géants à l'occasion de la journée du patrimoine. J'ai exposé nos géants, qui est le Jeannot, ici présent. Voilà, qui représente l'école des jeunes sapeurs-pompiers. Ensuite, je vous présente le caporal-chef Villain, qui représente le dernier pompier qui a été créé à Salles-le-Noble, voilà, qui représente en mémoire d'un pompier d'ancien. Et le géant Poudlot qui représente l'association des Marais Accueil, voilà, d'un maraîcher. Voilà. Alors, je m'appelle Nicolas, je suis collectionneur sur le thème sapeur-pompier, tout ce qui touche qu'est-ce qui touche au métier de pompier, le calendrier, cuisson, fanion, la sauvegarde du matériel pour le patrimoine. Et ben là, aujourd'hui, j'organise une exposition avec mes amis Laurent et l'accueil du Marais de Salles-le-Noble pour la journée du patrimoine. J'expose une partie de ma collection.
Donc, bah, comme vous pouvez voir, il y a un casque, un képi, une division, des anciennes lances, des mugs, des figurines, des fèves, des assiettes, des médailles, des miniatures et une représentation de caserne de pompiers. Et ensuite, vous avez quelques écussons. Une photo des sapeurs-pompiers de Douai de 78 et une photo qui a été faite lors de mon mariage, réalisée par mon ami Laurent avec les géants de Saint-Lenoble qui sont là-bas présents. Voilà.